Vous savez, sur ce compte, j'ai commis toutes les erreurs possibles. Je dis bien toutes les erreurs possibles. C'est des erreurs que un nouveau trader peut commettre. J'ai commis ces mêmes erreurs sur ce compte de trading-là que je vais vous montrer tout à l'heure. Erreur de discipline, erreur de timing, erreur de levier, erreur de concentration. Toutes ces erreurs. Mais ce sont ces erreurs-là qui prouvent que je suis un être humain et non un algorithme de trading. Le plus important en trading n'est pas de faire des trades parfaits ou d'être discipliné à 100%. Le plus important n'est pas tout ça. La seule chose qui est importante en trading, c'est votre gestion émotionnelle après chaque position que vous prenez. La position peut toucher votre TP si vous avez une mauvaise gestion émotionnelle à la suite de votre TP qui est touché. Vous risquez de prendre des risques et de faire n'importe quoi parce que vous êtes trop heureux. Si le stop loss est touché et que vous avez une mauvaise gestion émotionnelle à la suite du stop loss qui est touché, vous risquez de prendre encore des risques pour vouloir rattraper ce que vous avez perdu et vous livrer au marché. Donc, dans tous les cas, le plus important n'est pas les pertes, mais votre réaction après la perte, que j'appelle votre gestion émotionnelle, la façon dont vous vous comportez. Je comprends pourquoi les gens sont émotionnellement instables quand ils sont en train de trader. Je vais vous dire une seule chose que vous devez garder toute votre vie et que vous devez partager autour de vous. On ne peut pas faire du trading de manière sereine si on n'a pas une situation économique stable. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous ne pouvez pas vous servir du trading pour devenir stable économiquement. Ça peut arriver si vous avez tenté votre chance et que vous avez gagné un peu d'argent dans le trading, investissez vite dans un truc physique ou un truc parallèle qui va vous rapporter régulièrement. Parce que le trading, il peut avoir des mois où le marché va être gentil envers vous et des mois où le marché va pas se comporter comme vous le voulez. Mais si vous misez tout sur le marché, la pression avec laquelle vous allez trader, on peut le sentir tout de suite si vous voulez forcer le marché pour avoir quelque chose ou pas. Bien, je vais faire le tour de ce que vous avez mentionné et faire partage d'écran et puis on va voir ensemble. Et n'oubliez pas que j'ai eu des journées très costauds où j'ai perdu au moins 6 000, 4 000, 5 000, vraiment enchaîné, hein? Donc, j'ai tradé comme tout le monde. Il y a eu des jours où c'était pas ça. Mais c'est pas pour autant je vais briser les étapes. Donc ici, je vois 36 000, 3 500, 75 000, 10 000, 25 000, 4 200, 160 000, 6 800, 25 000, 12 000, 5 550. 26 000, ouais, 26 000, 36 000, 55 000, 50 000. Bon, V17, 44 000. Bon, là, on voit bien que à 500 euros près, personne n'a pu trouver combien le sniper a fait. Donc, je vais partager mon écran, mon MT4 déjà. Est-ce que là, vous voyez mon écran, s'il vous plaît?
Coach. Ouais, parfait. Très bien. Vous voyez les... Hop. Bien, donc je vais vous laisser découvrir de vous-même sur le MT4 le résultat. Pour savoir que vous avez tous perdu, personne n'a pu trouver à 500 euros près. Même à 1000 euros près, personne n'a pu trouver. Hop, et là, boum! Est-ce que vous voyez? Ouais, 42 797. Voilà, donc personne n'a gagné du coup. Les gars, c'est pas bon. Hein? Moi, j'ai voulu vous faire gagner un peu d'argent et vous n'avez pas bien pronostiqué. Donc, il y a celui qui a mis 44 000. Ah, il n'était pas, il était quand même à côté, mais à 2 000 euros près, c'est trop long pour qu'on puisse lui donner de l'argent. Bon, voilà. Donc, on a ça et on va venir ici. Pour essayer de voir si on peut faire des retraits. Et je vois que comme payout, j'aurai peut-être ça. 32 097 euros. Et c'est pas... C'est le salaire de d'un PDG normalement, hein, les gars. Donc, comme quoi, le trading, si vous êtes rigoureux, pas forcément rigoureux. Si vous êtes émotionnellement stable, équilibré, si vous trouvez l'équilibre émotionnel après chaque trade, vous pourrez facilement faire ce genre de résultat régulièrement et vous verrez que le trading, ça paye. Parce qu'il y a certains qui disent, oui, le trading, c'est pas, c'est de l'arnaque, ça paye pas, ça fait ceci, cela, alors que non. Le trading est plus que ce que vous pensez. C'est un levier qui peut vous permettre d'être indépendant, d'accélérer votre indépendance financière. Devenez indépendant financier légèrement avant de commencer le trading. Quand c'est comme ça, le trading peut vous booster parce que vous allez trader sans pression. Mais, je répète encore, quand le trading est le seul levier qui doit vous permettre de prendre votre envol, ça devient un peu compliqué, vous tradez sous pression. Voilà, donc là, hop, payout. Select payout méthode. Bon, allez, on va faire boum, 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 please. Boum, boum, currency. Cryptocurrency. Non, on va faire sur deal. Donc, on va sur deal. Hop. Deal address mail. C'est bon, France. Et on fait submit. Voilà. Donc, c'est bon. Payout, submit. Et normalement, ici, ça va revenir à zéro. Et puis, ben, le compteur va repartir à zéro. Hein? Oui, coach, s'il vous plaît, je peux parler. Oui. Oui, au fait, j'ai fini la formation il n'y a pas longtemps. D'accord. Voilà, je veux me mettre en compte des mots là en début de l'autre semaine. Oui. Maintenant, j'aimerais que vous me donniez un conseil. Pour quelqu'un qui n'a pas suivi voilà, d'autres formations de trading, qui a voulu suivre votre formation, et d'ailleurs qui me permet de comprendre facilement quelque chose que tout le monde autour de moi qui dit c'est trop compliqué, mais avec vos formations, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Quel conseil vous pouvez me donner vraiment pour vous représenter dignement en tant que sniper? Wow. Wow. Déjà, on est très, très bien là. Déjà, c'est très, très bien. Pour commencer, déjà, vous êtes nouvelle, donc il y a déjà un avantage.